Voilà ce que j'appelle ma prénomme nationale ici au Palais du Peuple. Et nous allons ainsi suivre le programme du protocole d'État qui sera annoncé à cette occasion. Honorable Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages. Et enfin, votre discours du lancement officiel de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à prendre la parole. Après ce programme, le protocole d'État, je viens de l'annoncer, nous allons vous laisser sur un mot de bienvenue qui sera prononcé par la ministre d'État de la Justice, Ozumu Tombokise, donc qui va bientôt prendre la parole parce qu'elle est prête, elle est là et après elle, vous allez aussi suivre un autre mot de circonstance qui sera prononcé par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres, Mesdames et Messieurs le haut magistrat, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je voudrais, avant de prendre la parole dans cette circonstance particulière, paraphraser votre Excellence dans sa détermination de voir se pratiquer et se vivre une justice juste dans notre pays. Lors de votre dernière sortie médiatique, nous avons tous été interpellés par la manière dont la justice a été décrite.
et n'a pas rencontré la vision que vous incarnez, celle de l'état de droit. Votre autorité ne s'est pas empêchée de nous rappeler tous ce que les Saintes Écritures reprennent dans son livre des Proverbes au chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, il s'ouvre aujourd'hui une session de formation dédiée à 2500 nouveaux magistrats nommés par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après leur recrutement sur concours. La cérémonie de ce jour est, à mon sens, pleine de signification. Elle marque une ère nouvelle, celle du renouveau de la magistrature, mieux de sa renaissance. Déjà en 2015, lors des États généraux de la justice, il avait été ressenti un grand besoin de la couverture judiciaire dans notre pays, car pour un sous-continent qu'est la République démocratique du Congo, avec une population estimée aux environs de 90 millions d'habitants, il était anormal que seulement moins de 3000 magistrats, civils et militaires, puissent constituer les corps des magistrats. Les besoins ainsi exprimés étaient de l'ordre de 10 000 magistrats. Il a donc fallu attendre votre avènement pour que la moitié de ce besoin soit couvert, car grâce à votre détermination, 5 magistrats ont été nommés, dont 2500 entrent en fonction cette année et les 2500 autres pour l'année prochaine. Le premier pas a été certes franchi par cette nomination, mais le gros reste encore à faire puisqu'il nous faut véritablement travailler sur l'homme ou la femme magistrat. Toutes les critiques sur le pouvoir judiciaire, hier comme aujourd'hui, gravitent autour de la personne du magistrat qui, normalement, dans une société comme la nôtre, devrait jouer le rôle de catalyseur. La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour ainsi que les différents textes subséquents, en l'occurrence la loi organique portant statut des magistrats et celle portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, ont conféré la gestion du magistrat à ses pairs à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci s'occupe de la gestion de la carrière de magistrat et de sa discipline. À travers les missions d'itinérance effectuées dans les provinces de notre pays, j'ai relevé une forte concentration de magistrats dans les grands centres urbains au détriment de l'arrière-pays. Certains coins du pays n'ont plus de magistrats car ceux qui ont été affectés, soit n'ont pas répondu à leur mutation, soit ils ont carrément quitté sans qu'ils ne soient interpellés ou sanctionnés par leur chef hiérarchique. La justice, pour son fonctionnement efficient, exige le respect de la déontologie et des règles d'éthique. Pour ce faire, il faudra qu'une place de choix soit accordée à la discipline dans ce corps. Les chambres disciplinaires doivent dorénavant fonctionner pour sanctionner ces écarts de conduite dans les chefs des magistrats. Pour ce qui me concerne, je ne manquerai pas d'user du pouvoir, mais reconnu par les textes pertinents afin de saisir les chambres disciplinaires pour tous les cas d'indélicatesse. Le gouvernement de la République mettra tout en œuvre pour que ces chambres siègent régulièrement. C'est ici le lieu d'annoncer la grande réforme portée notamment par une loi en phase d'adoption au niveau du Parlement qui va renforcer le pouvoir de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Celui-ci sera le gendarme des magistrats et dépendra directement du magistrat suprême. À vous, magistrats nouvellement nommés, je voudrais vous rappeler que la magistrature, tout en étant un corps d'élite, est plus qu'un apostolat. On ne vient pas dans la magistrature avec l'idée de s'enrichir. Pour ceux qui pensent ainsi,
ils n'ont pas leur place dans ces corps. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, tel est le message que j'ai voulu transmettre ces jours au corps judiciaire qui, certes, connaît des difficultés comme toutes les institutions du pays, mais qui est appelé à donner le meilleur de lui-même pour favoriser la paix sociale. Je vous remercie. Voilà, c'est le mot de bienvenue de la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, qui a dit que la cérémonie d'aujourd'hui marque justement une ère nouvelle du renouveau de la justice en République. Monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, pour son mot de circonstance. Une autre étape, c'est celle du mot de circonstance du président du Conseil supérieur de la magistrature, qui va également prononcer ce mot tout à l'heure. Nous allons vous laisser suivre ce mot de circonstance qu'il va prononcer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, les magistrats de la République démocratique du Congo, du sommet à la base, anciens et nouveaux, issus d'un processus rigoureux du concours de recrutement des magistrats. Votre présence en cette cérémonie dénote de votre détermination sans conteste à faire de la justice de votre pays un des piliers essentiels pour la construction de l'état de droit tel que consacré par la Constitution et qui est aussi le socle de votre vision. Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, permettez-moi, avant de poursuivre mon discours, de présenter à votre haute autorité mes très sincères remerciements pour avoir résolu, et ce, pour la toute première fois dans l'histoire judiciaire de notre pays, l'épineuse question des effectifs déficitaires des magistrats en autorisant le recrutement de 5000 nouveaux magistrats dont 2500 sont dans la joie d'être devant vous dans cette salle historique du Congrès de l'Assemblée nationale. Les remerciements des magistrats est d'autant plus élevé et éloquent parce que, peut-être on ne l'a pas souligné, c'est la première fois dans notre pays que le président de la République, chef de l'État, va parler aux magistrats directement. Ça ne s'est jamais fait et toute notre reconnaissance. Excellence, je peux me permettre d'ouvrir une incise à l'attention de nos jeunes collègues, comme je l'avais fait lors du recrutement à Lubumbashi, quand ils criaient « béton, béton », je leur avais dit que le chef de l'État n'a pas besoin qu'on l'appelle « béton », mais il attend que nous puissions avoir une pratique et un comportement « béton ». Avec votre autorisation, Excellence, je reviens sur ce que j'ai dit. J'avais dit en l'occasion à Lubumbashi que le chef de l'État, le magistrat suprême, n'a pas besoin que nous puissions crier béton ou l'appeler béton, mais il attend que nous puissions avoir une attitude et un comportement béton.
Excellences, Monsieur le Président de la République, votre vision de résorber la carence en effectif des magistrats est un signal fort qui rassure tous et chacun et me permet d'affirmer sans peur d'être contredit qu'effectivement le magistrat suprême que vous êtes connaissez vraiment les maux qui rongent la justice et vous êtes capable de les résorber puisque celui des effectifs est résolu. Il appartient désormais au passé avec l'entrée en fonction de 2500 nouveaux magistrats et ce geste devient une interpellation pour les magistrats que nous sommes afin, comme je le dis toujours, que la main que vous avez tendue ou la main que les magistrats vous tendent, vous avez accepté de saisir la main du pouvoir judiciaire, mais je conseille aux magistrats solennellement devant vous toujours de faire en sorte que leur deuxième main ne reste pas sous la table. Vous avez l'excellence saisi la main, c'est-à-dire il est celui qui a lancé la vision. C'est lui qui est pratiquement garant de ce que l'état de droit puisse se faire. Il a garanti l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mes collègues magistrats, la main qui a été saisie par le chef de l'État, il voudra aussi que l'autre main ne reste pas sous table, parce que la main qui est sous table peut faire n'importe quoi et sans contrôle. C'est mieux que toutes nos deux mains soient désormais visibles pour la bonne marche de la justice. L'effectif ou les effectifs des magistrats étaient déficitaires, et pour vous en rendre compte, je signale tout simplement à titre de souvenir qu'avant le 6 juin dernier, date de la nomination de 2500 nouveaux magistrats, dont 858 femmes, la République démocratique du Congo comptait 3210 magistrats civils et militaires, dont 596 femmes, avec en réalité moins de 3000 magistrats effectivement en activité de service judiciaire, pour une population que nous avons estimée à plus ou moins 80 millions d'habitants, soit un magistrat pour près de 27 000 habitants. À ce jour, le pays compte 5710 magistrats, soit un magistrat pour 14 500 habitants. C'est une avancée notable, tant il est vrai que et sur le plan des effectifs et sur le plan de la représentation de la femme, nous avons connu un plus. En ce sens que, dans la magistrature, le pourcentage des femmes vient de passer de 6%. Les femmes magistrates n'est représenté que 6%. Et ce pourcentage est passé à 34% par votre leadership. Il est passé à 34% sous votre impulsion en tant que champion de la masculinité positive. Après la nomination de 2500 magistrats prévus en 2024, le pays comptera 8210 magistrats, soit un magistrat pour 9000 habitants. Le ratio minimum requis par les standards internationaux définis par l'Association internationale de magistrats est de 1 magistrat pour 5000 habitants. Nous nous y sommes sensiblement rapprochés. Une fois de plus, toute notre reconnaissance, Excellence. Excellences, Monsieur le Président de la République, les 2500 magistrats qui vont suivre la formation de 3 mois sont des braves femmes et des braves hommes qui ont prouvé de quoi ils sont capables. En effet, sur 24 602 candidats qui ont passé le concours national de recrutement des magistrats sur toute l'étendue du territoire national,
Et là, il faudrait encore le souligner, c'est la première fois qu'un recrutement se fait sur toute l'étendue de la République. Seulement 5000 candidats ont été sélectionnés et classés en ordre utile, soit un taux de réussite de près de 25%. C'est aussi la preuve éloquente de la maturité atteinte par le Conseil supérieur de la magistrature qui a conçu et organisé cette preuve. Après les recrutements et la nomination, une période probatoire de 12 mois de stage est organisée pour le jeune magistrat. Elle est répartie en 3 mois de formation pratique que le Conseil supérieur de la magistrature a conçu pour transformer ces jeunes licenciés en droit en magistrats afin qu'ils se préparent à poser des actes judiciaires. Et pour la seconde période de 9 mois restant de stage, ces jeunes la passeront dans des offices de parquets civils et militaires de la République, particulièrement ceux de l'intérieur de notre pays qui souffrent de la carence quasi totale des magistrats. C'est pourquoi les modules de formation qui seront dispensés sont orientés plus vers la pratique de la profession des magistrats. Il s'agira notamment des modules relatifs à l'organisation et à la compétence judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature, au droit pénal spécial, aux procédures pénales et civiles, à l'éthique et à la déontologie des magistrats, à l'organisation et au fonctionnement des parquets. En dehors des modules de formation pratique, certains autres modules prévus pourront être donnés sous forme de conférences, d'exposés, notamment sur la lutte contre la corruption et autres antivaleurs, la redevabilité des magistrats à la nation et au peuple, ainsi de suite. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, à ces jours, les magistrats de la République démocratique du Congo, anciens et nouveaux, qui sont devant vous, doivent savoir que la justice de ce pays doit être son redresseur des torts, la garantie du bien-être et du bien-vivre collectif, car bien dite, la justice est un facteur de sécurité. Ils doivent aussi savoir que le temps des complaisances est passé, parce que depuis mon avènement à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, ensemble avec le bureau, le cap a été fixé pour l'excellence et le bon travail, afin que notre justice puisse réellement élever la nation congolaise. Depuis un certain temps, c'est vrai que la discipline et la déontologie étaient parties de la maison judiciaire de la RDC. Depuis un certain temps, comme je le dis, toutes les chambres de discipline provinciale fonctionnent. Même la chambre nationale de discipline, comme je le dis, à la cérémonie de baromètre du climat des affaires, c'est une joie aujourd'hui pour les bureaux de vous dire, devant la nation et le monde, ce qui n'a jamais été fait dans ce pays est en train de se faire. Au niveau national, la Chambre nationale de discipline est en train d'instruire plus de 44 dossiers. Nous disons plus de 44 dossiers instruits en disciplinaire au niveau national. C'est une grande première et c'est un signal. Et c'est pourquoi nous rappelons aux magistrats, anciens et surtout les collègues nouveaux, comme la Mineta et ministre de la Justice l'a dit, la magistrature est une carrière. Ce qui veut dire qu'en venant dans la magistrature, on vient pour servir la nation. Les espoirs de la nation et du garant de cette nation reposent sur vous qui venez d'entrer. Si votre entrée dans la magistrature est venue pour servir la nation, la justice ou la magistrature va changer. Regardez votre nombre et si seulement nous pouvons réussir à nous recadrer et à regarder dans la direction que nous a indiqué le magistrat suprême, je le dis avec force, l'année ne se terminera pas sans qu'un vent nouveau, un vent de paix et d'espoir,
puisse planer sur toute l'étendue de la République en ce qui concerne la justice. Nous tenons à cela et nous croyons en cela. Nous disons avec fermeté que la justice de ce pays est entre les mains des hommes et femmes congolais qui n'ont pas un autre pays, qui n'ont pas une autre nation. La meilleure façon de marquer l'histoire, c'est de créer ce révinement à 180%. De sorte que le magistrat soit enfin fier partout où il passerait pour dire « Je sers ma nation avec intégrité ». C'est à ce sens que tous les magistrats, excellences, sont devant vous. Tous les échelons de la magistrature sont là. Ils savent que l'éthique, la déontologie, la discipline ne se négocieront plus jamais dans la magistrature de ce pays. À l'interne, ils ont senti que le magistrat est désormais face à ses actes dont ils répondent pleinement. Et dans ce sens, tous sont là aujourd'hui pour vous écouter. Et qu'ainsi, nul n'en prétexte l'ignorance et dise « Je ne savais pas, je n'avais pas entendu, je n'avais pas senti le vent radical du changement. » Le temps est là où nous devons tous, en tant que magistrats, saisir le bon vent et le bon train pour que cette nation soit fière de ses magistrats. Excellence, toute ma déférence. Voilà, un mot de circonstance prononcé par le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est en même temps le président de la Cour constitutionnelle. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Et c'est le Président de la République qui va justement prononcer son discours. Honorables députés et sénateurs, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, distingués invités, en ce jour qui coïncide avec le lancement de la formation initiale de la première promotion de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires du ministère public parmi les 5000 attendus, nommés le 6 juin 2023 à la suite du concours de recrutement, j'ai accepté, en ma qualité de magistrat suprême, de prendre la parole afin de m'adresser directement à vous, anciens comme nouveaux venus dans ce corps d'élite. Et à travers vous donc, à l'ensemble de la magistrature congolaise, mieux le pouvoir judiciaire. Je le fais d'autant plus que préoccupé personnellement par la bonne marche et l'efficacité de l'appareil judiciaire, j'ai exprimé plus d'une fois depuis mon accession à la magistrature suprême ma volonté de consolider une justice de qualité pour tous, indépendante, performante, protectrice des droits humains et essentiellement rassurante. À cet effet, je n'ai cessé d'affirmer par conviction et dans ma vision de bâtir un état de droit le rôle primordial assigné et attendu de la justice dans le relèvement et le développement de la nation,
la consolidation de l'état de droit et de notre démocratie. Je ne saurais pas ne pas rappeler les Saintes Écritures dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation ». Fin de citation. Cette prescription demeure l'un des piliers du pacte citoyen qui caractérise la justice comme étant un rempart dont la mission principale est de protéger les personnes, garantir les règles du vivre ensemble, les droits et les devoirs de chacun, ainsi que les conditions d'une société apaisée. Bref, sans la justice, il n'y a pas de développement possible. Comme pour dire que l'absence de la justice est une banalisation du mal. Mais un système judiciaire efficace est un moyen de dissuasion et de paix. C'est pleinement conscient de ce rôle attendu dans la construction de notre État que je suis régulièrement revenu sur les questions lancinantes de la corruption et de l'impunité des criminels, ainsi que sur les autres antivaleurs qui, généralement, accentuent la descente aux enfers de notre pays. Dans ces conditions, la justice ne saurait être ce régulateur vers lequel accourent les citoyens lorsqu'elle-même est immergée par des pratiques corruptives et autres agissements qui n'inspirent plus confiance, s'invitant de ce fait sur le banc des accusés. C'est dans ce sens que, m'adressant à la nation à travers ses représentants en décembre 2021, exercice réitéré en décembre 2022 et plus récemment à la suite de la session questions-réponses avec nos compatriotes, je fustigeais encore ces mots et annonçais mon engagement à insuffler un nouveau départ à notre justice suivant une stratégie simple, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À ce sujet, la cérémonie de ce jour qui vise le lancement de la session de formation des nouveaux magistrats nommés concrétise l'un de mes engagements pris visant à résorber le déficit des effectifs des magistrats au regard de la cartographie judiciaire nationale. À travers ces mots, comprenez une fois pour toutes que, fort de ma patience, je lance un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, une justice qui assure et rassure, particulièrement en cette période charnière de consolidation de notre jeune et précieuse démocratie. C'est là même qui, non seulement permet de dire le droit, mais aussi et surtout de nous convaincre tous, justiciers et justiciables, que le droit, alors le vrai, a été dit. Mesdames et messieurs les magistrats, ce tableau non exhaustif que je viens de dresser devrait sonner en vous comme une interpellation citoyenne et patriotique, mieux une mise en cause du système fonctionnel actuel. Il s'agit bien de l'appel à votre conscience individuelle et collective en tant que magistrat, acteur majeur dans la construction d'un état de droit voulu par tous. Garant du bon fonctionnement des institutions, j'assume et j'assumerai toujours pleinement ma responsabilité par un recadrage, au besoin une requalification de l'action de la justice et éviter que, par son agir,
Cette dernière disqualifie les efforts de toute une nation. Je vous encourage donc à vous engager à travers votre action dans cet effort national pour l'avènement d'une justice juste. Cela passe aussi par l'érection de la sanction, positive ou négative, sans complaisance, comme l'échelle de valeur, par l'application rigoureuse des dispositions constitutionnelles et statutaires qui identifient le Conseil supérieur de la magistrature comme organe exerçant le pouvoir de rétribution promotionnelle et disciplinaire. On ne devrait donc pas admettre que des magistrats poursuivis disciplinairement ou pénalement, ceux condamnés plus d'une fois à la prise à partie pour des décisions iniques, ceux habituellement en instance judiciaire ou disciplinaire ou notoirement immoraux, accèdent à des promotions sans affecter la conscience collective. Je tiens absolument à la restauration de la discipline, de l'éthique et de l'intégrité au sein de la magistrature et plus particulièrement à redorer l'image de la justice de mon pays longtemps ternie. Je suis préoccupé par la bonne marche et l'efficacité de notre appareil judiciaire. Or, pour être efficace, notre appareil judiciaire a besoin à tous les niveaux d'animateurs dignes, intègres, bien formés et en nombre suffisant qui doivent être placés dans des conditions de vie décentes et des conditions de travail adéquates. Conscient que cette œuvre, la justice, ne peut prospérer sans ouvrier, le magistrat, j'engage le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire des moyens adéquats. J'engage donc le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire de moyens adéquats pour le fonctionnement des chambres de discipline, des juridictions et offices, et aussi pour l'amélioration du traitement des magistrats. Les frais de mutation, les primes de bourse, et surtout la prise en charge médicale et funéraire. En effet, je suis au courant de la manière dont le magistrat, malade ou décédé, est soigné et ou inhumé, bien souvent par la solidarité de ses pairs. Cette situation ne peut plus perdurer. J'insisterai donc auprès du Premier ministre en ce qu'il puisse veiller à la réception par le pouvoir judiciaire
des moyens lui dotés dans le budget national. C'est aussi avec ce traitement que nous pourrions mesurer vos responsabilités. Mesdames et messieurs les nouveaux magistrats, vous intégrez un corps d'élite qui exerce un sacerdoce, selon qu'il est écrit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Et pour le bien du peuple. Vous arrivez dans une profession noble qui vous fait l'honneur et le privilège de servir la nation, votre nation, notre nation. Vous devez avoir en votre conscience votre serment et la loi. Votre recrutement a été nécessité par le besoin impérieux de résorber le déficit dans la mise en œuvre du droit d'accès à la justice. Avec votre arrivée, j'ai insufflé une nouvelle dynamique permettant à notre justice d'améliorer sa couverture et la qualité du service dans l'administration de la justice. Pour bien faire fonctionner les juridictions et offices, j'invite donc le Conseil supérieur de la magistrature, à travers son président, lors des affectations des magistrats, à veiller à l'équilibre entre les différents ressorts. La justice, dans la gestion administrative de la carrière du magistrat, appelle le Conseil supérieur de la magistrature a plus d'objectivité et de rigueur dans les promotions des magistrats et leurs affectations en faisant respecter la règle de rotation et veiller que les mêmes magistrats ne deviennent des roitelets de certains ressorts d'où d'où ils sont intouchables ou inamovibles. Il est inconcevable que dans un corps élitiste, certains magistrats soient considérés comme ne pouvant servir qu'en ville, et d'autres dans les milieux ruraux. Il s'avère indispensable d'affecter suffisamment de magistrats dans l'arrière-pays où la déficience se fait manifestement sentir, tout en désengorgeant les grandes villes où il y a une pléthore scandaleuse et inadmissible de magistrats. Par ailleurs, il est important pour une action concertée d'activer régulièrement le cadre de concertation entre le pouvoir judiciaire et exécutif tel que prévu dans le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. Il doit aussi clairement être entendu que les immixtions des personnes non qualifiées à la gestion et à la prise de décision de la justice par des pratiques de trafic d'influence et autres antivaleurs seront sévèrement sanctionnées. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Madame
la ministre d'État, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, madame et messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les magistrats, distingués invités, c'est sur cette note, pleine d'espoir et exprimant le renouvellement de notre pacte républicain qui appelle à la renaissance de la justice, que je déclare ouverte la session de formation initiale de nouveaux magistrats, promotion 2023, que je baptise État de droit. C'est sur cette note pleine d'espoir et exprimant le renouvellement de notre pacte républicain qui appelle à la renaissance de la justice que je déclare ouverte la session de formation initiale de nouveaux magistrats, promotion 2023, que je baptise État de droit. Que vive la renaissance de la justice en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà, vous entendez justement ces applaudissements. Disent merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour ses discours qui leur est directement adressé. Il a parlé à ces magistrats anciens et nouveaux pour qu'ils prennent la mesure des attentes du peuple congolais dans l'amélioration de la justice en République démocratique du Congo. La justice est l'aide des nations. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de pouvoir saluer en applaudissant très fort son Excellence Monsieur le Président de la République après l'hymne national.